tout le monde, c'est GamersVanity. Alors je vais vous faire une vidéo sur un easter egg sur Black Ops 3. Voilà, vous voyez le mode zombie. Donc vous voyez, on a un personnage ici. Et on peut voir aussi certains zombies comme lui qui arrivent là. C'est un soldat allemand. Donc ça fait partie de l'easter egg que je vais vous parler. Donc là, vous voyez là sur le bois, vous n'avez pas l'impression de voir quelque chose? La carte de la France, en fait, qui est représentée par une flamme. Ça veut dire que déjà il y a un easter egg sur la France. Ensuite, nous allons parler du personnage, en fait. On a l'impression qu'il voit pas les zombies en fait. Et pourtant il a l'air d'être sur le qui-vive, tout ça. Donc ça veut dire que il y a quelque chose avec dans ce mode zombie qui fait qu'il peut pas les voir. Je sais pas pourquoi. Ensuite, nous sommes dans une forêt en fait mystérieuse. Donc vous voyez toujours les zombies. Alors la forêt elle est à perte de vue hein. Et on a une lumière ici qui est très vive. Donc c'est mystérieux quoi. Ensuite nous allons parler des soldats allemands. Comme vous voyez, ils ont une tenue. Donc une tenue spéciale. Si je mets, normalement il devrait en avoir un qui va pas tarder à arriver par là normalement, mais je vous en reparlerai. Donc il y en a toujours un là. Je m'avance un peu hein. Ah voilà, c'est lui. Donc voilà, en fait il y a une petite histoire en fait, c'est que c'est des soldats de la Deuxième Guerre mondiale en fait, des Allemands. Et en fait ça a une valeur historique parce que comme vous voyez, il y a la France ici. Et en fait, dans cette forêt, tout ça, il y a une bataille qui s'est déroulée, c'était en Champagne-Ardenne. Principalement ici, vers là. Donc c'est pour ça qu'on a l'historique de la France. Donc ça peut nous dire qu'en fait que ce mode zombie va se concentrer essentiellement en Champagne-Ardenne. Donc ici dans cette forêt. Donc la forêt des Champagne-Ardenne en fait, elle est très grande en fait. Et les soldats de l'armée française de la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, ils pouvaient pas faire de fortifications dans cette forêt parce que c'était impraticable. Et en fait, l'armée américaine et l'armée allemande, ils se sont affrontés ici et il y a eu de nombreuses victimes. Donc, est-ce que il y a un petit easter egg du passé, tout ça? Donc voilà, ça reste ancré dans l'histoire des États-Unis. Donc j'espère que cette easter egg va vous plaire. En tout cas, moi je pense qu'il y aura une map en France, principalement en Champagne-Ardenne. Donc partagez la vidéo, tout ça, à vos potes, tout ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et ciao!